Cette formation, elle répond à deux besoins essentiels. Le premier, c'est actualiser ses connaissances en stratégie, en négociation, etc. Mais le deuxième besoin aussi, c'est de pouvoir se mettre au cœur de l'actualité économique avec toutes les transformations du monde économique avec le digital. J'ai choisi cette formation car elle correspondait à ce que j'attendais aujourd'hui, à savoir appréhender tout ce qui relève de l'innovation. On est mis en situation de façon très disruptive, donc c'était tout à fait adapté à ce que je cherchais, qui était donc prise de recul et quelque chose qui m'ouvre à des réflexions nouvelles. Pour pouvoir offrir 2 jours de déplacement pour chaque semaine, il a fallu monter effectivement des partenariats. Ils ont pour objectif de faire appliquer la théorie sur le terrain. Visiter des startups, aller dans des incubateurs, etc. Se nourrir de ce qui se passe à l'extérieur. L'important pour moi était à la fois de remettre en question les certitudes que j'avais sur les grands fondamentaux de l'entreprise en me frottant aux nouvelles théories. C'est une formation assez universelle et tournée vers l'avenir. L'EDEC nous aide à réfléchir et à nous de faire le travail qui suit. Le GMAP est une formation stimulante pour un leadership créatif dans un monde où tout s'accélère. Le GMAP, c'est court, mais intense et très décapant.